Non, mais c'est pas grave, je pars laisser devant toute la France, il n'y a pas de souci, ça changera rien. C'est-à-dire qu'on est clairement les meilleurs. En raison des nombreux services que nous avons rendus avec Anès, nous souhaitons de ce jour... C'est un raccourci, Roya, c'est un raccourci. On est en train de péter dans tous les sens et moi je suis là. Oui, en fonction des nombreux... Oh merde, merde, oh merde. Oh non! Hello! Ouais, salut! Allez, comment ici, les? Ça va? Alhamdoulilah, et toi, Khoya? Khoya, je suis à côté du Beniz. Il y a 4 AT4 qui sont en train de haggar un Poyos. Oh putain, j'arrive! En train de le défoncer. Pour quelle raison? Un justificatif? Parce que le policier, il les suit depuis 1 heure. Et ils en ont marre. Ah ouais, bah après c'est son taf en même temps. Tu veux qu'il fasse quoi? Mais là, s'il y a quelque chose... Ouais, mais là, il y a rien. C'est ça qu'ils sont en train de dire. J'arrive, je cours. Putain, l'embrouille, elle est finie. Ils ont cassé la voiture, ils se sont barrés. Je crois que je vais les voir. Roya, petite immersion aujourd'hui, on va dans un groupe. Immersion, comment ça? Une petite immersion, je sais pas moi. Ah ouais, je t'accueille. Roya, là tu sais j'allais faire quoi? Un jour une nouvelle vie quoi. J'allais me déguiser en bala sur la haja et y aller, tu vois. T'allais te faire soulever je pense hein. Non, je pense pas. Tu penses ça passe? Ça va Roya? Alhamdoulilah Roya, mais viens, on va prendre notre service là déjà. De médecine? Bah oui, de médecine, Roya, on est les meilleurs docteurs de la ville, Roya. Oh, Roya, par contre, les courses poursuites, ça va être chaud, hein. Ouais, les véhicules là. J'ai pris le. Tu vois le poteau entre les balas et les wagons. Ouais. Un poteau, arrête total, Roya. Là, ça va être fini, ça m'a Hamid qui dit t'inquiète, jugeur et tout. Mais là, Hamid, il est dans la merde, là, Roya. Un mur, c'est fini. Hamid, il est dans la merde. Tobias, n'en parlons même pas, Roya. Salam, le collègue, bonsoir, ça va ou quoi? Comment allez-vous? Oh, mais je reviens sur les jours. Ça va très bien. Bah, attendez, mais c'est qui? C'est pas vous qui étiez là le premier jour de la formation? Khoya, c'est moi, Khoya, ouais, non. Non, c'est bon, non. C'était vous le premier jour qui nous avait accueillis, non? Non, du tout, non. Si, c'était moi, effectivement. C'est quoi ton prénom déjà? C'est pas Marcus, je sais plus comment? Non, c'est Andrew. Andrew! Ça va ou quoi, Andrew? Ah, ça va et toi? Eh, cache ta joie, Roya, quand tu nous vois. La forme? Non, je suis content, ouais. Allez, on va patrouiller ensemble, j'arrive. Ah, ça tombe bien parce que du coup, je dois aller. Je Roya, viens, on lui fait plaisir, on met tout ce qu'on peut pas mettre. Comme ça, il va être fier de nous. La dernière fois, j'ai mis tout ce que j'avais pas à mettre. Il me dit, il était même pas installé, c'est bien Mahagar. Oui, Kefta. Par contre, va falloir éviter. Ah, Andrew! Tu sais que c'est le seul jour de la semaine où je fais un service. Ah, on est un appel! C'est le seul! On est un appel! Désolé, Andrew, on travaille! On a un appel! Oh putain, ça passe. Tête! Un autre appel! Ouais, alors! Yo, man, ça va ou quoi? Yo, man. Eh, je vous écoute, LSHD, ça va! Tu vois comment il conduit, il a glissé, il a pris une savonnette. Non mais on veut les vraies circonstances sinon on vient pas. Hein. Ouais, on veut les vraies circonstances sinon on vient pas. Hein. Si tu me dis non j'ai juste mal aux genoux. Les deux genoux. Vous êtes où parce qu'on est sur un autre appel. Dis-leur des coordonnées GPS avec la tangente de l'hypoténuse de la variable. Alors monsieur, coordonnées GPS avec le rayon alpha de tous les endroits par où on peut venir, c'est bon? La tangente, goulez la tangente. Avec la tangente, hein. 36-80 nord le GPS. Non mais envoyez ça par message. Notre équipe technique va faire en sorte de trouver la position et on arrive. On dirait on va localiser un criminel. T'es souhait. Le mec il doit dire qu'est-ce qu'il faut que vous restiez en ligne plus de 15 secondes pour vous. Il a quoi lui? Il a dit il est tombé mais il est vraiment... flic, il y a les flics derrière. Ah non c'est pas les flics. Oh ouais, ah là là. Il est où là? Ils sont là. Ah il est là. Merde tu l'as écrasé. Bonjour messieurs. Faut que j'ai eu au téléphone. Comment allez-vous? C'est moi que vous avez vu au téléphone. Ça va? Oulala, il s'est passé quoi? Oh là là, la voiture elle est un peu rouillée là. C'est passé quoi messieurs? On l'a ramené, écoutez on roulait et il a pas mis sa ceinture. Aïe. Il a mis un coup de frein parce que j'ai évité quelqu'un et voilà. Il avait pas sa ceinture. Tout à fait. Ouais, c'est 2000$ là pour ça. Mais mettez-lui double si vous voulez. Pas vous qui payez? C'est lui. Vous êtes quand même fautif, hein. Faut dire faire à moitié. C'est votre ami, c'est votre frère, c'est qui? Et c'est un neveu, Ah d'accord, on a un autre appel, ok. Bon, bah... Collègue, on vous laisse avec ce monsieur, on a un autre appel. Il faut le mettre dans l'ambulance, Dans l'ambulance? Il faut l'évacuer, attends vite fait de voir s'il faut l'évacuer ou pas. Attention, attention. Oh putain de la mort. Tu viens de quelle île? Roya, tu viens de quelle île? Ah, je viens des îles Samoane. Samoane, c'est la bonne réponse ou pas, messieurs? C'est la bonne réponse. Et vous faites quoi dans le nord alors? On est à la pêcherie, nous, on pêche. Ah, vous pêchez? Putain, c'est vrai que j'ai rarement l'occasion de pêcher en vrai. Hein. Vous pêchez vers dans quel coin? Eh, entre nous, vous avez un petit coin tranquille pour pêcher. On a une femme enceinte qui est à cause d'un chat, on doit absolument y aller là. Désolé, messieurs, on vous laisse les chamoines. Salut. Ok, on arrive. Appelle-la, dis-lui. Attends, Khoya. Est-ce qu'elle a eu son enfant hors mariage ou pendant le mariage? C'est très important, Khoya, pour moi. À toutes les unités, bonjour à tous, je suis dans la radio. Est-ce que tu peux la rappeler, Khoya, pour avoir cette information, Khoya? Elle accouche d'un chat, Khoya? Ouais, en fait. Ah putain, je vais éteindre les gyros. Maintenant j'ai peur, Khoya, vraiment. Non, j'éteins les gyros, Khoya, ça les rend fourrés, regarde. Regarde, whoop là, t'as vu comment ils vont? Alors dis-moi, comment ça, Khoya, elle accouche d'un chat? T'inquiète, pas de soucis. Et Khoya, apparemment il y a un chat et je sais pas, j'ai entendu une histoire trop bizarre. Ouais. Vas-y, bombarde, Khoya, pourquoi tu roules à deux à l'heure? Mais trop, tu fais quoi, frère, là? C'est une ambulance, Khoya, c'est pas... là, comment t'es lent, c'est trop... Bah, tu veux que j'accélère? Ok, j'accélère, Khoya. Vas-y. Ouvre la fenêtre, appelle d'air. Vas-y. Chauffe des rapages, Khoya. Merde, je vois rien, Khoya, il fait noir. Khoya, enlève-moi le sac. Starfallah, tu veux qu'on meure ou quoi? Mais il est malade, hein? Khoya, dis-moi si t'en as marre de payer le crédit, si tu vas aller mourir, Khoya. Il m'a mis un sac sur la tête, le maboule. Khoya, tu conduis mal quand même, j'ai remarqué. Ouais, je conduis mal, mais Khoya, c'est compliqué de conduire dans le noir, Khoya. Ouais mais à une époque t'aurais pu, elle est lente l'ambulance, frère. Faudrait qu'on puisse intervenir, Khoya, en... Khoya, t'as vu, l'autre il est venu en voiture. Ouais, j'ai vu. C'est ça qu'un enfant, Khoya. Bah vas-y, demande-lui à la radio, Je crois qu'il m'a haggard. Non, dis-lui, en raison de nombreux services rendus à la nation ainsi qu'à la ville de Los Santos, nous exigeons un véhicule beaucoup plus rapide pour sauver beaucoup plus de gens de manière rapide. T'es prêt? Vas-y, Khoya. Allez, bismillah. Vas-y, Khoya. Je crois en toi, Khoya. Tort, patron, je peux vous parler 2 secondes? Non, mais c'est pas grave, je parle ici devant toute la France, y a pas de soucis, ça changera rien. Dire qu'on est clairement les meilleurs, Khoya. En raison des nombreux services que nous avons rendus avec Anès, nous souhaitons de ce jour... Est-ce que c'est possible d'avoir une voiture pour ce soir? D'accord, c'est en raison de tous les services rendus à la nation. Dis-leur, Khoya, tout ce qui est permis, Khoya, on est là. T'inquiète, ça raccourcit, Khoya, ça raccourcit. On est en train de péter dans tous les sens et moi je suis là. Oui, en fonction des nombreux. Mais t'inquiète, Khoya. Oh merde. Oh non. Putain, mais pourquoi il vient? On est à 500 mètres, dis-lui, c'est bon. Je comprends pourquoi vous voulez. Vous inquiétez pas, tout se passe bien. On gère Andrew, pas de soucis. T'es mal à la tête, on dirait un beignet, Khoya, l'ambulance. Oh, allez, sérieux, elle est là. Sérieux. Elle est où? C'était ici? Bah, elle est morte ici, normalement. Allez, c'est parti, vas-y, Andrew, te laisse passer, Khoya, vas-y. Non, je passe à Paleto, moi, pour la voiture. Je vais à Paleto. Ah, pourquoi? T'as besoin de réparation? Pourquoi? Non, il faut que, ouais, je vais les réparer, mais je suis... Oh, nous, ça va, en vrai. Vas-y, on va à l'hôpital direct. Nous, ça va. Khoya, il y a le chef, il veut nous parler par rapport à la voiture, on va le voir. Ouais, dis-lui, on arrive au hôpital, Khoya, on arrive au hôpital. Nous arrivons actuellement à l'hôpital pour la discussion. Khoya, faut qu'on passe au Beniz d'abord, je crois, Khoya. Khoya, sinon ça va pas le faire, hein. C'est mieux si on arrive comme ça, il va dire ouais, je comprends tout à fait. Khoya, la voiture, je sais même pas comment elle fait pour rouler, hein. Subhanallah, quoi. Mais attends, mais y a pas de femme, du coup? C'était un canular, c'était quoi? Bah, y a personne, Khoya. Putain, ils abusent. Tu vas jusque là, on a... Tu l'avais vu, t'appelles? Waouh. T'inquiète, Khoya. Pourquoi t'as pas confiance, Khoya? Eh, répare-la dans le sud, répare... Oh putain, j'aime pas ce virage quand je le prends. Non, ce virage-là, il est tranquille. C'est pas celui-là, ah non, celui-là. Ah ouais. Ouais, hop là. Mais Khoya, c'est compliqué, Khoya, de rouler avec deux pneus. Non, c'est le prochain virage à droite qui va être pas tranquille. Ah, celui-là, il est easy, Khoya. Regarde. Hop. Ah mais frère aussi, ouais, mais mettez pas devant, tu mets pas devant moi, toi aussi, mais tu mets pas devant moi, frère. Te mets pas sur la route, t'abuses. Il roule sur la route, le mec, il abuse. En plus, il se met devant une ambulance et il roule à 60 au lieu de 140. Waouh. Bah, je maîtrise, Khoya, tout type de véhicule, Khoya, t'inquiète pas. Ah Ouais, mais lui, là, lui il a abusé, t'as vu ou pas? Roya, tu t'es porté l'œil. Non, mais lui il a abusé. Oh, il y a une voiture qui nous suit, Roya. Pourtant, t'as pas les gyros, hein. Roya, on est suivi, on est suivi, on est suivi. Roya, pourquoi les voitures elles sont folles? Roya, regarde. Elle accélère d'un coup, elle freine, elle. Oh, c'est des malades. Oh là, c'est des malades. Je passe là, même pas. Oh là, parfait. Oh, parfait. Roya, en vérité, je maîtrise. Roya, t'aurais été un show. Oh là, ce que j'allais dire. Oh, pas mal. Non, celui-là, il était pas mal. T'as vu j'allais dire, t'as un show là, tu passes au milieu. Bien sûr, Roya. Oh. Ouais, mais je suis obligé de t'arrêter à un moment donné, c'est normal. C'est normal. Oh, voilà, je le sens pas. Ouh là 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 là. Elle roule presque plus, Roya. On a un tas les limites, Roya, de l'ambulance là. Bonjour. Bonjour. Une petite réparation, s'il vous plaît. Mon collègue va sortir. Merci. On a percuté un sanglier. Que le véhicule que vous allez réparer a transporté Ayanaka pendant son accouchement. What? Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Ah, c'est la police. Ah non, pas bonsoir. Je vais réparer votre véhicule. Bah quel accueil. Ah, il y a qu'un plaisir. Ça va? Putain. Ça va la police? Pourquoi est-ce qu'il y a un mec qui a un gilet et un autre qui a pas de gilet? Il y a un mec qui est frileux, un mec qui est pas frileux, c'est ça? Allez, remets ton petit gilet de cadet là, c'est bon. Allez, voilà. Le cadet. Les petits cadets. Allez, petits cadets. Au revoir. Au revoir. Ouais, j'ai pas vu aussi, Roya, il y a des angles morts, mais il y a les angles morts aussi. Là, il était sur son angle mort. Il y avait l'angle mort aussi, Roya. Je peux pas deviner, moi je suis pas devin, wesh. Il abuse, il se met derrière, attends. Oh, Mirror Park, appelle. Mais Roya, on va pas voir le directeur? Mirror Park, ouais. Bon, Mirror Park ou bien... Vous êtes actuellement à l'hôpital ou pas? Il est à l'hôpital, salle de pause. Il fait beaucoup de pauses. Bah vas-y, go à la pause en vrai, non? Tu veux qu'on aille à la salle de pause ou bien à Mirror Park? Bah la salle de pause voir le directeur, on a cassé qui a pris l'appel. Mirror Park. D'abord Roya, pour le bien-être des citoyens Roya. Dis-lui Roya, dis-lui Zama, on a en intervention d'abord le boulot et après... Arrête de chialer, c'est que... Arrête de chialer, le dit. Pas qu'il s'est noyé? Eh, dis-lui, sois un bonhomme, wesh. Dis-lui bonhomme, dis-lui de cracher l'eau et vas-y. Mais dis-lui s'il a une paille, il la fout dans son gosier. Au pire, regarde, j'ai une solution. Tu prends ton pote, tu le mets à l'étage de dessus, tu fais un petit trou. Lui... Tu lui mets une paille. Voilà, tu lui mets... ici, frère. Regarde, tu lui mets une paille. Lui, quand il aura la paille, t'as un pote à toi, il lui saute dessus. Et après, comme ça, il crache petit à petit, et toi, tu prends ta douche. Regarde, ils sont en bas, viens. Ok, on arrive vers Mirror Park, c'est ça? Dans le canal de Mirror Park, mais vas-y. Vas-y, Anès, t'es prêt? Eh, hey, c'est lui, mec, voilé, je t'ai dit, Roya! C'est moi. Salut! Bonjour, messieurs. Non, salam alaikum. Alaikum salam, Roya. Adnan! Ouais! Ça va ou quoi, Roya? Je suis en service là, au niveau de Mirror Park. Viens, putain, prends ton service! C'est pas nécessaire. Je peux pas venir, vas-y, je vais venir, je finis l'intervention, j'arrive, t'es où? Envoie la pause. Vas-y, finis ton intervention. Vas-y, envoie la pause et on arrive après. Vas-y, je t'envoie la pause. Vas-y, excuse-moi, Roya, qu'est-ce qui se passe? Il est là, mon pote. Il est où là? Il est dans l'eau. Il s'appelle comment? Il s'appelle Kyle Anderson. Kefta, plonge, ramène là, il s'appelle Kyle. Ok, il est où? Il est là. Ok, c'est parti. Pensez, vous pouvez le sauver ou pas? Mais bien sûr, on va le sauver, Roya. En tant que nouveau musulman, je peux pas me permettre d'avoir une mort sur la conscience. Ah, t'es nouveau musulman? Ouais, je me suis reconverti. J'aurais besoin de ton aide. Qu'est-ce qui se passe? Putain, il a rentré le brancard dans l'eau. Roya, mets la tenue de plongée, Roya. Vas-y, attends, un défibrillateur, je vais mettre des défibrillateurs dans l'eau. J'ai un chargeur d'iPhone 5, Roya, bouge pas. C'est bon, rendez la plongée. Non, je l'ai aussi, t'inquiète. Il est où, ce fils des chiens, là? Il est en bas, Viens là. Défibrille-le dans l'eau, C'est bon, vas-y, t'la, monte, Roya, je t'attrape, vas-y, monte. J'ai. Oh, rattrape-le, Roya, rattrape-le. Ça va, monsieur? Rattrape-le, vas-y, montez. C'est bon, fais le bonhomme. Sois un bonhomme. Vas-y, monsieur, attrape-le. Oh, putain. Allongez-vous, monsieur. Alors, il s'est passé quoi? Racontez-moi un petit peu la scène, là. En fait, une blague de merde. En fait, je lui ai fait une blague, du coup, je l'ai jeté dans l'eau. Et le problème, c'est que Kyle, il a 22 ans, il sait pas nager. Et bah du coup il s'est noyé. Ah bah j'étais dans l'eau comment Attends. J'appuie sur tes poumons, Roya, bouge pas. Oh putain, il y a encore de l'eau, Roya. Attends, j'appuie fort là. Ouais, j'ai de la Roya qui sort. C'était quoi la blague? Mais t'as mangé quoi, Roya? J'ai mis la voiture comme vous avez mis. J'ai mangé, je sais pas, un restaurant marocain à côté. Ah oui. Ouais, comme ça. Et attends, mais comme ça la voiture. Kefta. Totalement, voilà. Kefta. Mais du coup là, comment sort la voiture? Kefta. Tu sais que le monsieur là il a été whitelist là récemment dans l'islam, c'est un nouveau musulman, Roya. Ouais. Ah ouais, t'as été whitelist dans l'islam? Ouais, j'ai. Tu t'es fait pistoler, Roya? J'ai join. On m'a passé un entretien et elle a dit tout ça. Ah ouais, c'est pas. Vas-y, tu connais quoi sur l'islam? Vas-y. Bah, je sais que faut prier 3 fois par jour. Ouais. 3 fois, ouais, d'accord. Pendant le Ramadan, on a le droit de manger du poulet et voilà. D'accord, ok. Ah, pas le droit d'aller au McDo. Pas le droit d'aller au McDo, d'accord. Si, on m'a dit que si on disait Starfoula avant, on a le droit. Regarde, on t'a fait une version quoi de Wish de l'islam ou comment ça se fait? Comment ça, Wish? Franck, t'as eu le mauvais menu, t'as eu la mauvaise carte, je crois. L'islam pour les nuls. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui, Roya, là, c'est l'islam pour les tri nuls, là, dans ce cas-là. Ah ouais. Vous pensez qu'on m'a eu, là? Ah bah là, clairement, Roya, on t'a fait payer combien l'adhésion? Bah, on m'a fait payer 250 $. Wouah! Mais attendez, je vous arrête. On t'a coupé ou pas? Dans les 250. Ouais, je me suis circoncis. Attends, comment ça tu t'es circoncis? Monsieur, attention, monsieur, c'est... j'ai attrapé un ciseau ma pède et je me suis coupé le pied. Ah ouais, tu vois, ça ton problème, ça se fait avec un compas et une équerre, Roya. Non, mais dans l'adhésion, on m'a fourni le ciseau. Ah oui, c'était dans le coffret collector. Ouais, c'était le coffret... Chirurgien Kefta, qu'est-ce que vous faites? Non, la voiture, elle est bloquée, on est désolé, monsieur. Elle est bloquée de chez bloqué, Zama? Ah ouais, là, c'est mort, là, c'est mort. Ouais, faut appeler le Beniz, du coup, ouais. Faut appeler le Beniz, les gars. Putain, aïe. Moi je vois quoi? Je vois un lac, je vois 2 mecs plutôt beaux gosses, une voiture, un rencard et pas de meuf. Tiens. Non. Alors moi j'ai des meufs, moi j'ai des meufs. Et une meuf avec un foulard. Tiens. Voilà. Bon après vous êtes homosexuel, c'est bon, on en parle plus quoi. C'est ça? C'est ça. Non mais je vais vous dire une vérité, on a déjà fait bisous une fois, mais c'était vraiment parce que j'ai dû le sauver d'une... Et vous avez apprécié ou pas? Et depuis, vous avez découvert que vous étiez homosexuel? Non. Si, mais ça arrive, il y a des mecs même mariés avec des enfants, ils goûtent un petit peu, hop, et toi c'est bon finalement. Bah oui. Écoute quoi. Putain. Moi, toute ma vie, j'ai dit que j'aimais pas le Nutella, un jour j'ai goûté, j'ai dit putain, mais finalement c'est bon cette merde. Donc du coup, bah messieurs, félicitations, moi ça me fait plaisir en vérité. Le coming out de 2 personnes, franchement ça me fait extrêmement plaisir. Prenez soin de vous, et puis... Ouais, coming, ça dépend, ça dépend ce qui rentre, ça dépend ce qui sort, ça dépend quoi. Coming out, c'est pas retour? Alors non, il faut réviser. Non mais moi je vous le dis, on n'est pas du tout gay, hein, mais par contre si peut-être ce serait moi l'homme, hein, moi je suis pas la femme. Ah bah après, je veux dire c'est ce que moi. Moi je suis pas gay tout court, moi, passif, actif, ça m'intéresse pas du tout. D'accord, ok. Ça m'intéresse pas du tout, mais après vous nous dites ça, vous êtes quand même... Là vous êtes sur un déni de grossesse là. Là vous êtes clairement sur un déni de grossesse, hein. Vous êtes là, vous réfutez l'irréfutable. Mais bon, c'est comme les 7 phases d'un deuil. Au début, c'est la colère. Vous deux, regardez, vous deux, à poil, avec des poils sur le torse. Mais parce que, genre, ma communauté de plongée, Roya, je suis tout mouillé, réfléchis un peu, Roya. Mais nous, les docteurs, tout ça, on connaît, hein, ça va, les docteurs, tout ça. Qu'est-ce que vous connaissez sur les docteurs? Non, vas-y, dis-moi, hop là. Vas-y, dis-moi. Prends photo, envoie Weasel. Un rendez-vous d'homosexuel tourne au drame. Ouais, voilà, c'est bien. Los Santos homophobe? Comme ça, ils font l'article bien. Voilà. Ah, c'est bon, j'ai leur corps. Attends, je vais bien prendre leur gueule. Ouais, ils dorment comme des Twingo, frère. Ils dorment bizarre, frère. Il faut passer le contrôle technique, hein. Non mais si on vous laisse un bon courage, viens, Kefta, on se casse. Eh, on est vraiment des détectives de ouf, Roya. Roya, il a dit supprime la photo ou on va te soulever. Oh, j'attends que ça, Roya. Oh bah Roya, c'est parti. J'attends que ça. Alors avec le plus grand des plaisirs, Roya. Go hôpital, non? Faut qu'on se rhabille là. Ouais. Mais si on lui demande, ouais, on lui dira qu'on a une intervention de fou. T'inquiète. Je savais que t'allais passer à côté, t'inquiète. Bah oui. Toi, tu veux que je te tue, toi, en fait? C'est Adnan. D'accord. Attends, je te rappelle. Ok, bougez pas. Lève les mains. Lève les mains tous les deux. Je vous prends votre arme et vos moyens de communication. Toi aussi, pareil. Maintenant, attendez, on peut l'aider. Aidez le mec, toi pendant ce temps tu gardes. Ça marche, pas de soucis. Oh, je suis désolé, Roya, je voulais te faire une blague moi à la base. Ce ne sommes que des simples ambulanciers. Ferme-la toi. Non, Kefta, rien. Voilà, je sais qu'elle s'en sort pas, mais... T'as été pris en otage, tu te fous de ma gueule? Après, espèce de vendu, Adnan. Mais c'est pas grave, on t'aime quand même. Je te déteste. De toute façon, t'es comme tous les Belges. Si, on l'aime bien. Ah, depuis que t'as gagné un concours Cannes pour les chiens, tu te la racontes, hein? Depuis que t'as eu 2 médailles en chien, t'es content, hein? Adnan, il a été élu plus beau chien, plus beau caniche, les gars, ce week-end, hein? Bientôt plus belle chienne, connard. Ça va, putain. J'aurais préféré être pris en otage et de rouler dessus par un camion de pitate. Sa merde. Voilà, messieurs, c'est bon, il est sur place. C'est bon, on peut partir. Qu'est-ce que vous voulez, messieurs? Qu'est-ce que vous voulez? Partez pas. Toi, tu peux te barrer, vas-y, pars-toi, toi. D'accord. Casse-toi. Oui. Vous deux, vous allez nous suivre. Dans le fourgon, allez. Bah, Anan, tu me préviens tout le monde, hein, du coup. Quoi? Oui. Dans le fourgon. Je monte derrière. Aussi, allez. Ok. Kefta, t'as qu'est-ce que t'as fait encore? Je sais pas, c'est pas ce que je vais faire. Ouais, c'est sûr, c'est à cause de toi, Roya. Mais c'est à cause de toi, Roya. C'est sûr, ils vont dire c'est toi, t'as fait de la merde. Mais j'ai rien fait, Roya, je suis jamais là. Pourquoi t'avais pas de vêtements? Je suis jamais là, Roya. Parce qu'on est homosexuel. On faisait des trucs bizarres dans... Pourquoi? Non, clairement pas, ouais. D'accord. Attention, hein. Kefta. Attends. Tu vas pas l'étrangler vite fait. Suivez-moi. Ouais, t'es bon que... Ah, okay. Je fais confiance. Putain. C'est vous qui dites aux otages que vous nous faites confiance? Je fais confiance de pas faire de conneries ou... Non, de toute façon... Mais on veut juste savoir en fait qu'est-ce qui se passe. Ouais, voilà, c'est tout ce qu'on veut savoir. Mais vous verrez directement là-bas. Ok, ça va. S'il vous plaît, je vais vous demander de mettre vos ceintures. Ouais, c'est ce que j'ai fait. C'est fait. On s'appelle pas Jazz, t'inquiète. Non, c'est bon. J'ai confiance en toi, Y. Hein. Moi, j'ai pas confiance en moi. Parce que tu mets tous les véhicules en Y. Ouais. Je suis drôle quand j'ai peur. Hein. Roya, tu crois qu'on va mourir? Je sais pas. Roya, si jamais on meurt aujourd'hui, sache que je t'ai toujours détesté, Roya, du plus profond de mon cœur. Roya, si on meurt aujourd'hui, eh ben sache que c'est moi qui pète à ta main. C'est Speed! Espèce de gros bâtard! Comment ça, wesh? Dis-moi quand elle tenait pas de nouvelles et tout. Tout le temps elle disait je suis occupé. Oui. J'étais dans l'ascenseur avec elle, on faisait du hammam. C'est pas grave, Roya, de toute façon, elle a le sida, Roya, t'inquiète. Quoi? Non, mais tranquille. On est de quoi derrière là? Non, on parle de la mort et de la vie. Ouais, on se demandait pourquoi on était là, quoi. Mais c'est un sida, Hanin. C'est pas un sida. C'est pas un sida. Non, c'est un sida, vite fait. C'est sida tranquille, c'est sida. Sida halou. Sida Ali, quoi. Sida Ali. Arrête de rigoler, c'est pas le moment, je crois. Ouais, c'est vrai. Chantez une musique. Y'a pas d'ambiance. C'est nul. D'accord, chante une musique. Vas-y. Et si la mort qui arrive vers nous, on arrive, on n'a rien fait du tout. On sait pas pourquoi on est là. Pas du tout. En tout cas, la camionnette elle est hloua en direction le pont et la frontière à côté des Marabouts. Heureusement que j'ai eu le temps de relever la plaque d'immatriculation. Il relève. Non, c'est pas vrai, c'est juste pour les paroles. Voilà, allez, descendez là. Allez, on descend. C'est bon. Allez, voilà. Les deux. Même pas de chaussures. On est en intervention, messieurs. On est en intervention, on a sauvé des familles. Parce qu'on a pris une combinaison de plongée, on a plongé. On a dû plonger, ok. Ah putain, vous êtes vraiment des bonnes personnes, quoi. Bah oui. C'est pour ça qu'on comprend pas. C'est incroyable. Bah bien sûr. Moi je vous connais pas personnellement. Mais c'est normal. Bah moi aussi je vous connais pas personnellement. Ah si, on se connaît très bien, allez, contre le mur. Y'a pas de mur, y'a pas de... Arrête de faire le malin, toi. Tu vois, Kefta, c'est à cause de toi, connard. Mais c'est à cause de toi. C'est sûr que c'est sa faute. Maintenant, bon, Kefta, j'ai pas le temps. Pote. C'est qui? Tranquille. C'est un vieil ami à moi. Ouais, c'était super. Bah écoute, ça va et toi? Vous êtes potes, ça va, ça va, super. Dis-moi, Tobias et Hamid sont là? Non, négatif. Ah bon, on peut pas appeler un coup, tiens. Ils sont pas là? Non, ils sont pas là. Dommage. Je roule là. Ah ouais, tu vas pas me dire de roule là. Ils sont pas là, ils sont pas là. Bah, pas là, Roya. Tu veux. Je te fais pas confiance, toi. Mais attendez, mais on peut m'expliquer la situation, s'il vous plaît? Après, monsieur. Bah, je suis quand même. Ouais, mais je suis quand même pris en otage aussi. Faut m'expliquer. Tu m'as dit d'appeler. J'appelle. D'accord, je prends mon téléphone. Ouais, tiens, attends. Tu vas leur dire, Osgour il nous a chopé, il va nous tirer une balle si on veut, si vous venez pas. Quoi? Mais moi pas, moi non. Quoi? Allez, allez, dépêche. Je les cherche dans mon truc. Vous méritez, vous méritez. Mais qui ça vous? Mais je vous connais même pas, moi. Je m'en fous, t'avais qu'à parler. Dommage collatéral. C'est mon collègue de travail. Et où Adnan? Pas mon problème. Bah si, c'est ton problème. Vous connaissez pas? Bah moi non plus, je vous connais pas. Il répond pas, il répond vraiment pas. Tu veux que je réessaye? Non, c'est bon, appelle Tobias. Bah il a laissé partir Adnan. Mais non, parce qu'Adnan il t'a fait avec vous. Mais ouais, c'est nul. Bah oui, c'est le mec que vous avez laissé partir. Adnan il était là quand on vous a sauté. Ah ok, bah oui, on s'occupera de son cas plus tard alors, ça va. Oh, vous êtes bien organisé en tout cas, ça fait grave plaisir. Ah, il répond pas assez. Vas-y, non mais on savait pas qu'Adnan était avec vous. Moi je savais juste Anès, Tobias, Kefta et Hamid. Mais comment vous connaissez mon nom? Moi je vous connais pas. Bah j'en ai un informateur, wesh. Non mais d'accord, mais... Ah mais oui putain, faut tout vous expliquer à vous. Mais oui. Bon, en gros, je me présente, Osgour fils d'up d'après lui. Ah ouais. On se connaît depuis longtemps. On va dire que je l'ai accueilli chez moi et il est venu, il m'a mis un coup de machette. Attends. Il m'a mis un coup de machette, ensuite... Parce que, j'ai préparé tout ça, Kefta. Hein. J'ai fait une liste de tout ce que tu m'as fait. Attends. Oh, la liste doit être longue, hein, connaissant Kefta. À cause de toi, toute la ville m'appelle fils d'up. Déjà, pour commencer. On avait fait une flica, gang des roses, X ma team Osgour. On n'a jamais vu l'argent. J'allais me marier. Ness, t'étais là en plus. J'allais me marier, t'as ruiné mon mariage, t'as fait fuir ma femme. C'était qui ta femme? Ah oui, j'avais mis fit Hamid aussi, oui. C'est qui ta femme? Je sais même plus, c'était une pute. Maintenant, bah voilà, bon. Tranquille alors. Mais mon cœur, sur le moment, il était brisé. J'avais invité toute la ville, j'étais tout seul comme ça. Mais non, mais Roya, non, regarde, ce que tu ne comprends pas, Osgour, écoute. Les vrais amis, les vrais... Osgour... Ok, c'est bon. Pourquoi tu me vises moi? Je t'ai rien fait, moi, Roya. Je connais même pas. Vise-le lui. Oh, tranquille. Visez-le tous, lui, là, on sait jamais. Non, je suis pas comme ça, Roya. Si, il est clairement comme ça. Ensuite... C'est grave quand même. Il y a des policiers et aussi des personnes malveillantes dans la ville qui m'ont déjà chopé et ils m'ont dit que t'étais une grosse pouquille à la police. Ça c'est vrai aussi, ça je peux confirmer. Sans compter, vous nous avez chopé 2 fois avec Tobias et vous vous êtes cramé vous 2 en disant von Blaze. Oh si. Ah c'est clairement pas dans sa bille, pourtant. Tobias il a dit clairement, le mec avec moi c'est Kefta. Et attends, t'as fait Tobias. Ah ouais, Tobias il a dit ça. Tobias il a dit ça. En plus de tout ça, déjà vous nous avez macheté il y a quelques jours. Ensuite vous nous avez rechopé. Si, vous nous avez mis des balles dans la jambe. En plus vous tournez autour de notre quartier alors que on vous a pratiquement rien fait. Il y a Tobias qui m'appelle. Ah vas-y appelle-le. Ouais Tobias, je suis avec Anès et Osgour il nous a enlevé. Il veut que tu viennes à la pause le plus vite possible. Sinon balle dans le crâne. Boum boum. Sinon balle dans le crâne. Je t'envoie la pause mon pote. Il vient tout seul là. Ah, il a dit rien à foutre les gars, vous pouvez me tuer. Il a dit c'est clairement ce qu'il a dit. Mais c'est clairement ce qu'il a dit. Non mais c'est bon, tranquille, bah au moins tu vois Kefta, comparé à tes gars, moi au moins j'ai la valeur de la vie. C'est combien? Je pense qu'on peut trouver un arrangement. Dites-moi comment on peut s'arranger là. Bah je sais pas, vous dites que vous avez un quartier, etc. Qu'est-ce que vous faites dans votre quartier? C'est quoi votre secteur d'activité? Vous faites quoi en ville? Nous on est juste un petit groupe, tranquille, on voulait faire notre drogue, notre argent tranquille. Et là, on a des ennemis qui sortent de nulle part, ils viennent gilet par balle, des armes, on a perdu des armes à cause de vous. On a dû tous réapprovisionner, tout notre argent qu'on avait mis de côté, on a dû acheter des gilets par balle, des pistolets. Ça a été dur. Ah c'était dur. Vous avez fait combien de flicas avec nous? Moi j'étais pas là. Mais Une seule et on n'a pas été payé. Vous n'avez pas été payé? Bah déjà ça... Je me rappelle. Déjà, non franchement ça me dit rien. C'est moi ça me déclame. Je pense déjà on va vous rembourser la flica. C'est de 10 000 avec 5 000, c'est bon. Ouah non, on va dans les 30 000, tu vois, c'est bon parce qu'ils ont dû racheter des armes et tout, nanana. Et puis après pour le reste on peut s'arranger quoi. Parce qu'en fait là le problème c'est que moi je suis quelqu'un qui pardonne, y a pas de souci, mais j'oublie pas. Ça veut dire que là, si je reste en vie, je vais vous rechercher. Je vais vous soulever, après vous allez encore me soulever, après moi je vais vous soulever, après moi un jour je vais vraiment venir arriver et je vais vous buter, tu vois. Attends, à la base en fait vous nous avez soulevé 2 fois vous. Non mais moi je suis pas au courant, moi j'ai rien à faire. Pause, je cite, Kefta a dit, on va faire exprès pour faire la guerre. Ouais, je cite. Il a lancé la guerre, il a tiré. Je cite, il était dans notre radio, ses collègues lui ont dit hey, tu veux pas les laisser partir, et il a clairement dit, j'ouvre les guillemets, je m'en bats les couilles, je veux la guerre. Ah, jamais. Voilà, si, mais je suis pas comme ça, non. Sûr que non. Arrête de mytho, il y avait Yuki dans la radio. Si tu veux, d'accord, oui, si tu veux, d'accord, oui, t'as raison, Bon, maintenant, Anès, toi, je sais pas si t'étais là ou je sais pas quoi. Non, j'étais pas là. Tes 30K, moi, je les accepte volontiers. Et honnêtement, moi, je suis pas comme cette petite pute là, à tirer sur les jambes des autres qui ont rien fait. Donc toi, je m'en bats les couilles. Par contre, toi, ça va pas se passer comme ça, mon gars. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Vas-y, qu'est-ce que tu veux? Elle est où ma hache? Je le démon. Non, laisse-moi tirer, s'il te plaît. Ouais, par contre, c'est Osgour, non? Oui, oui. Alors, moi, quand je dis qu'on essaie de trouver un arrangement, c'est pas pour sauver ma pomme, hein, c'est pour sauver mon groupe. Hein. Donc, Kefta y compris. C'est-à-dire que. Eh, attendez, mais votre parole, elle est. Hamid qui m'appelle, il y a Hamid qui m'appelle. Ah, tu vois, appelle-le, appelle-le. Je vais mourir. Je veux lui Hamid la violence. Il y a Osgour, il est devant moi. Dis-lui de venir, Il a dit que si tu viens pas, il nous tue tous les deux. Pleure fort. Je pleure fort. Ouais. La pote. Ah, il est bon. Ah, c'est. Ah, il est pas. C'est pour ça. C'est pour ça la fois quand il a dit, je m'en bats les couilles, je veux la guerre. C'était aussi un jeu d'acteur, les gars. C'est tout. C'est pour ça. Ok. Donc là, je vous laisse partir. C'était un jeu d'acteur. Ah ouais, la balle aussi sur toutes nos jambes là. C'était un jeu d'acteur. C'était pas des billes. C'était des petits balles. Ça par contre, je suis pas au courant ça. Ah, balle. Moi, vous. En fait, il nous a tiré dessus et ensuite il a dit ouais, comme ça on a la guerre. On venait de sortir d'une pièce de théâtre. Je crois, il était encore à fond dedans. Je t'arrête de prendre la compte aussi. Écoute, maintenant, moi ce que je veux te dire c'est quoi? C'est que la balance elle va être à 0 et pour ça, va falloir que je me venge comme je peux mon pote. Mais donc là, t'es pas obligé, C'était quoi la facture? C'était machette plus balle dans la jambe, c'est ça? Supplément fromage. Supplément fromage et sauce algérienne. Dis à ton pote qui se calme à droite là, je sais pas, il est nerveux un peu là. Ah bon? Ouais, de fou, non, à ta droite, je sais que vous avez perdu 2 matchs, mais c'est bon, là à droite, là. Alors toi, c'est bon frère, toi t'es fini. Toi t'es fini, la vie de moi t'es fini. Tu fais comme ça. Ok, c'est bon. C'est une corde sensible ça, Khoya, faut pas. J'ai perdu 100 balles sur BetClick, j'ai la haine. Voilà ce qui va se passer. Tout ce que je t'ai dit là, le mariage raté et tout ça, table rase. Par contre, le coup de machette et les balles, ça, je peux pas. Oh putain. Je peux pas. Non. Ah oui, monsieur Kefta, oui. Faut vraiment qu'on en arrive là, Osgour. Ah, il faut, je pense que oui. Hein. Ça a commencé après, amigo. À ta place, j'aurais dit, Kefta, tu me ramènes pas 10 000 $, tu vas voir. Là, j'aurais dit d'accord. Non, moi, il y a eu ce moment où tu m'as dit. On avait échangé nos rôles et tu disais allez maintenant c'est moi le plus grand gangster de la ville. Du coup Osgour il y a plus de 30K, il y a plus rien là. Laissez-nous nous concerter. Suivez-nous les mioches, moi j'aime l'argent. Les mioches. Ouais, on fait quoi? On prend l'argent ou on leur retire d'une balle? Allez discuter plus loin, là. Parce que là on entend les gars. Ouais, surveillez-les toi. Mais non, vous inquiétez pas, on bouge pas. Bouge pas les gars, je peux manger monsieur qui est nerveux? Oui. Il me fume lui. Il me fume de tout à l'heure. Moi j'ai le démon contre Hamid, la tête de ma mère. Pourquoi il t'a fait quoi? Mais vous avez le démon contre tout le monde en fait vous. Mais moi je t'ai rien fait, ouais. Toi, je te connais même pas. Ouais, toi je te connais pas. Ah voilà. Mais parce que tu me travailles du coup tu vas caner quand même. Hamid il t'a fait quoi? Il m'a québra, il m'a... Yuki revient. Oh là là. Ah ouais. Il m'a québra, il m'a pris ma carte d'identité, il m'a fait ceci. Pourquoi pour quelle raison? Mais donc on s'était si t'as pris ta carte d'identité. Pour faire style... Non j'avoue tu fais peur. Non, j'avoue, comme ça tu fais peur. C'est un style, c'est un flow. Bon, adjugé vendu, on va attendre que Hamid vienne et on verra bien comment. D'après ces trucs, s'il vient, il fait pas de conneries. Vous avez la vie sauve, sinon. Moi je veux juste Hamid, frère. Oh, j'ai envie de le goumer juste quand je regarde là. Oh là là, oh. Mais non, mais c'est pas la bonne solution. La violence n'est pas la solution. C'est pas la violence. Ah, ça fait du bien. Heureusement, on retient. La violence n'est vraiment pas la. Non, vraiment. Coup de boule. Osgour, tu crois en la loi de l'attraction ou pas? En gros, ça dit que si tu fais du bien, et ben tu vas recevoir du bien. C'est-à-dire que si tu fais du bien aujourd'hui, ça se trouve, tu vas gagner tes prochains paris de foot. Arrête de mentir, tu vas devenir riche. Ça s'appelle la loi de l'attraction, Roya, c'est une règle universelle. Arrête de mentir, t'as eu mon nom. Ça s'appelle de l'arnaque, ça. Mais je te jure, la seule loi que sur internet, c'est la loi de mon point qui sera attiré vers sa pose. La loi de l'attraction. Écoute, bien sûr, ce que du bien dans ma vie, on est là, on me frappe, on me tire dessus, j'ai rien fait. J'avoue, la pauvre, elle a rien fait, tu lui tires dessus. Tu m'as tiré dessus, c'est rien. C'est qui? C'est Yuki. Ah Yuki, ça va Yuki? Franchement, je suis vraiment une grosse victime. Faut dire. Non, c'est gentil. Yuki, c'est gentil. Ah, je suis gentil, on me tire dessus. On est où là? Ouais, mais c'est des balles gentilles. C'est pas des balles hello, c'est pas des balles gentilles. On va vous mettre des balles gentilles alors. Non, mais y'a que nous qui avons des balles gentilles. Moi, je pense, les gars, chacun repart de son côté. On va auto-oublier. Et c'est fini, non? Mais on n'oublie pas comme ça, hein. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid quand même. Non, ça se mange pas, des fois ça s'avale. Khoya, dis-toi une phrase. On pardonne, mais on n'oublie pas. La vengeance est un plat qui se mange froid, mais des fois, Khoya, tu chopes une intoxication, Khoya. Donc des fois, faut mieux pas le manger. Tu chopes une autre assiette, Khoya. Bah les couilles, tu vois. Attends, un buffet à volonté, Khoya, quand même. Tu tiens ta couille? Ouais, un peu quand même, Roya. C'est vrai que ça peut servir en vrai. Hein. Ça... Non, ok. Production de spermatozoïdes, ça peut aider quoi. Vous savez que les couilles, 1 degré ou 2 degrés de moins que la température du corps humain. Elles sont à 35 ou 36 degrés. Sinon, ça permet pas la production de spermatozoïdes. C'est pour ça qu'elles sont placées en dessous. Bah oui. Elles touchent pas notre corps, les couilles. Vous avez remarqué ou pas? On dit. Ah ouais. Non, si, elles touchent. Non, elles touchent pas. Bah non, elles touchent pas. Quand tu l'as, quand t'es debout, Osgour il a fait ah ouais, ah bah si elle touche. Je suis sûr il a touché, je jure il a mis sa main dans le caleçon. Il a essayé. Ah lève. Oh putain de merde. Laisse-le sortir, Roya. Garde-toi tranquille, voilà, super. Ok, elle connaît ça. Voilà, il fait un créneau au milieu de nulle part, Hamid, il est trop fort. Il a dit laisse-moi juste me garer. Allez, je te prends toutes tes affaires. Là c'est Hamid sérieux, là c'est Hamid, il va les défoncer. Oh, costard Los Santos, Roya, attention. Bonsoir messieurs, alors, je me présente Hamid. Très bien, et vous, messieurs? Tranquille, tranquille. Attends, je vais vite fouiller que t'es pas un micro, surtout parce qu'on sait jamais, on peut jamais faire confiance. Un micro? Croyez, il a même pas de cravate, wesh. Voilà. Juste un petit instant, hop là, et voilà, c'est bon. Super, tu sais très bien pourquoi on te chope, Hamid. Toi, tu veux me choper, mais tu me dis non, tu me chopes pas, c'est moi qui viens à toi. C'est vrai. Ouais, mais il t'a quand même chopé parce que tu nous as. Ouais, il m'a braqué, c'est vrai, c'est vrai. Non, je sais pas pourquoi. Non, les termes n'étaient pas les bons, c'est pour ça, c'est pour ça. Parce que c'est les termes, oui. On va passer par vote, les gars, c'est bon. Qui veut 30K? Lève la main. Quatre contre 3, hein. Ah, c'est vrai. C'est vrai que... Plomo, faut choisir, les hermanos, réfléchissez bien. Non, je pense que Plomo, parce que l'argent c'est bien, mais la dignité c'est mieux. Ouais, ah, clairement. Harry, ressaisis-toi, Harry. Ouais, non, l'argent c'est quand même... Bon, bref, Kefta, Hamid, bon, lui, je sais pas ce qu'il fait là dans l'équation. Mais en tout cas... Pourquoi en fait, qu'est-ce qui se passe? Écoute. Roya, tu sais très bien ce qu'il fait là dans l'équation, pourquoi tu fais blaire? Ah, je comprends pas. T'as clairement dit, c'est les roses dedans, il y a Anès, Kefta, Tobias. Ah bah ouais, c'est avec vous, moi voilà, tu sais pourquoi il est là, Kefta, Hamid, Tobias. Mais je sais que c'était lui, il pouvait m'amener vers vous, quoi, c'est tout. Ouais, c'est bon, on peut rentrer chez nous? Oui. On peut rentrer chez vous tranquille. Alors, donc je disais quoi déjà? Oui. Dans tout ce qui est rentrage de chez vous, ouais, on va faire ça. Kefta, Hamid, tout ce que j'ai à vous dire, c'est écoutez-moi bien. Là, vous avez Osgour sérieux devant vous et je m'appelle Etor, ça sera pas dit 2 fois. C'est pas Osgour mon vrai nom, c'est Etor, je le répète à tout le monde, ça c'est bon. Numéro 1. Et numéro 2, on n'est pas vos petits. Si tu veux parler, on est là comme des grands, mais par contre, la vengeance c'est un plan qui se mange pas, ok? Oh, mais oh alors lui. Le 3, il a rien fait. Si vous avez rien fait, pourquoi vous vous canardez? Pas de pitié. Il va. Let's go. Au secours. Il est vraiment trop fort, au secours. Merci mec, ça fait plaisir. Vraiment là. Le map putain, lève, tu fais quoi là? Lève, Sarbe, t'as déjà tiré dessus, tu me crois. Non, on n'a pas tiré dessus, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, c'est qui le leader chez vous? C'est qui? Ah, c'est le mec qui tient là. Ramenez-moi à l'hôpital, putain! Je suis... Hamid, c'est qui qui vous a tiré dessus? C'est qui? C'est le... Je crois que c'est Etor. Si tu tires, je le finis. Retirez tous vos masques, retirez vos masques déjà, retirez. Ou alors, on va passer à sa limite. Je crois que on va retirer ton masque à ce pied. Les keufs. Ouais, mais Sarbe. Ouais, moi je suis prêt à tout. Moi je suis prêt à tout. Keuf ou pas keuf? Vas-y, retirez tous vos masques. Retire. Moi je suis un fou de masque. On a un avantage aussi, frère. Ouais, ma Sarbe. Je m'en bats les couilles d'eux. Voilà, mais c'est pas mes sahabs. Bon, c'est le Kardesh. Ah ouais. Ah, tu sais quoi, on va faire la même à Sarbe, voilà, on est quitte ou on est pas quitte? Je te mets une balle dans la jambe, on est quitte, d'accord? Là on se fait une balle dans la jambe, là on mis deux balles dans mes sahabs, il crève. Je te mets deux balles dans nos jambes. Si tu fais ça derrière, ton collègue crève là devant. En même temps, on rafale après. Une balle, c'est une balle. Laisse tomber. Laisse tomber, t'inquiète, de toute façon on va les retrouver, t'inquiète pas, Khoya. Laisse tomber, ouais. T'inquiète pas, Khoya. L'hôpital. Juste les potes vont mourir là, ils sont en train de se vider leur sang là. Je mets vide de mon... Peter, applique le protocole 48 sur ton artère fémorale, Kefta. Bon, regarde ce qu'on va faire, Protocole 48. Déjà, ce que tu vas faire, tu vas lâcher NF, il leur fait les premiers soins parce qu'ils sont en train de perdre du sang, t'as vu? Et après, pour chacun part de son côté, d'accord? Ok, celui-là, c'est bon. Ouais, ils vont relâcher, mais juste il fait le premier soin parce qu'ils vont crever à ce côté. Ouais, ils peuvent faire sens. J'ai mal. Bouge pas, Kefta. J'ai fait le protocole 48, bouge pas, Roya. Fais-leur le premier soin, Oh putain, il t'a pas loupé, Roya. Il t'a clairement pas loupé, Roya. Il m'a pas loupé. Oh putain. T'inquiète, je vais rien faire, t'inquiète. Hamid, j'arrive pour le protocole 52, Roya, bouge pas. J'ai mal. Bouge pas, Roya. Dis à ma mère que je l'aime si je survis pas. Mais t'as pas de mère, elle est déjà morte, qu'est-ce qu'il me raconte? Ouais, c'est vrai, tu marques un point. Et bon, c'est bon, chacun repart de son côté. J'ai mal. C'est bon, mais on doit quand même aller à l'hôpital après les mecs, hein. Attends, je lui mets une balle dans la tête, ça parle bien. Fou là, tu parles comme ça. Bon. Bon, Dele, ça va quoi, vous tenez debout? Ouais, ça va, moi ça va. Ils t'ont rien fait, toi? Non, moi ils m'ont rien fait. Ok, bon. Vas-y, chacun va partir dans son coin, c'est qui lui? Il est avec nous. Bon, allez, relâche vite avant que les cœurs arrivent. Y'a pas de relâche, frère, je te relâche, tu vas braquer. Reste qu'on va faire, on va se mettre sur le côté, tranquille, t'as vu? Voilà. Déjà, gardez NS et rends-moi les deux autres blessés. Kefta, lève-toi, regarde, ça va? J'ai mal. Ton épaule. Lève les mains. J'ai mal. Oh putain de merde. Voilà, tranquille. Moi, je te dis un truc. Voilà, vous tentez un. Déjà, rends les armes à mes sahabs aussi. On sait jamais ça part en couille, t'as vu? C'est pas grave, tu veux aussi qu'on baisse notre culotte et c'est bon, c'est toi qui pilote aussi, non? Après une petite balle dans la tête, c'est bien, ça fait plaisir. Bah écoute, si tu tires, t'es bon. Attends, c'est pas ça. Mais imagine, je te relâche maintenant et tu me braques. Je vais faire comment, moi? Moi, ce que je t'ai dit, c'est que là, il y a les keufs qui vont arriver, tu me relâches, on va se barrer, nous. Ah ouais, t'es fini là en fait. Vas-y, regarde, de toute façon, on verra s'ils ont une parole. Relâche et on se barre dans le véhicule. Vas-y. Attends, indique que je me trompe pas. Vas-y les gars, on se barre. Super. Allez, barre-toi. Mon arme. Hamid, vas-y. Je mets dans votre cave vos affaires. Bon, t'inquiète, on va bientôt se retrouver à Kardis. A plus, bonne soirée les gars. Allez, c'est la partie. J'ai mal. Putain, on la direction de l'hôpital. Ouais, ramenez-moi l'hôpital. J'ai mal. Voilà, j'étais sûr que c'était à cause de Kefta, j'en étais sûr. Dis-moi pas que c'est pour l'histoire de la dernière fois qu'on les a soulevés là. C'est pour ça, ouais. Je suis pas au courant, moi, vos histoires bizarres. Regarde, explique. Voilà, ils ont fait les malins. On leur a juste mis quelques gifles, t'as vu ce que je veux dire? On a montré à masquer les morts. Ils ont parlé de coups de machette, de balles dans les jambes et tout, regarde. Un coup de machette, ça je me rappelle pas, ça. Non, coup de machette. Mais balles dans les jambes, regarde. Moi et Tobias, on était là. On leur a dit baissez vos armes, ils braquaient. Voilà, ils ont tiré dessus eux. À partir du moment où on me tire dessus, je vais pas commencer à me écarter les fesses, t'as vu? Ouais, c'est bien, on les a couchés. Vous savez où est-ce qu'ils habitent ou pas? Ouais, c'est où ils habitent. Bah, c'est bon, tranquille. Ouais, faites-vous soigner. Et après on va le régler ça, d'accord? Non, on réglera ça plus tard, un autre jour. Non, une autre fois, là, c'est marrant. Je pars pas tout de suite. Un petit flic, là, c'est bien, là. Alors, une autre fois, là. Kefta, tiens bon, là. Tiens bon. Je vais tenir. Hamid, toi aussi, Hamid. Moi je pense perdre un peu de sang, ça peut lui faire du bien pour sa ligne, t'as vu? Ouais, ça élimine les toxines. Pourquoi t'es remonté, t'es redescendu de l'autoroute? C'est pour faire circuler ton sang, Aspi. Bah oui, comme ça, ça fait les montagnes russes dans ton corps. Bah oui, c'est pour que le sang circule tout en haut comme en bas. Putain, t'es pas bête, Roya. Bah ouais, j'ai fait médecine à la fac, c'est ça. Putain, j'espère qu'il y a un chirurgien, Roya. Sinon, crois-moi, je vais faire docteur Maboul sur ton corps. Mais tu travailles pas à l'hôpital, toi? Si, mais je suis pas chirurgien, Roya. Ah, t'es quoi? Je suis un chirurgien, moi. Je m'occupe que des chiens. J'ai un chien, il faut s'occuper de lui parce qu'il me casse les couilles, Sarbe. Moi maintenant, c'est juste de l'aider. Ouais, tranquille, même toi aussi, Sarbe, il fallait me donner des signaux plus tôt. T'es là, j'attends des signaux. Mais le problème, c'est qu'ils étaient trop loin. Putain, les gars, je suis en train de me vider. Mais non, t'inquiète, c'est une vision d'optique, Roya. Ma blood. T'inquiète, je descends, Roya. T'inquiète. Porte-moi, j'ai mal. C'est pas toi qui m'opère quand même. Les collègues, s'il vous plaît, il s'est pris 2 balles. Ramenez une civière, il s'est pris 2 balles dans la jambe. T'as mis combien de balles, toi? Putain. Il s'est pris 2 balles dans la jambe, ce con. On s'est fait agresser, les mecs, on s'est fait agresser, le collègue. Ce monsieur, il s'est tiré dessus. Oh là là, Hamid aussi. J'ai mal. Tiens bon, Kefta, tiens bon. Moi, je t'ai fait un bref débrief. Ils ont fait les fois avec nous, on leur a mis un coup de pression. Ils ont refait les fous, une fois ils ont tiré dessus, on leur a mis un coup de pression la deuxième fois, et là Zama, je pense que ils cherchent le troisième là. Ah ouais, c'est sûr. On dit là, jamais 203. Ah oui, jamais 203. Tu connais. Jamais 203. Ils vous ont dit quoi, vous, Zama, quand vous êtes arrivé là-bas? Bah, je sais pas, ils ont parlé à Kefta, ils ont dit ouais, Kefta, à cause de toi, tout le monde m'appelle Osgour fils 2. J'ai raté mon mariage à cause de toi, ma femme elle est partie à cause de toi. Je sais pas, plein de trucs, coups de machette, balles dans la jambe, je sais pas quoi. Moi, je suis pas au courant, frère. Et ils ont fait une flicka apparemment avec nous, ils ont pas tué l'argent, je sais pas, des trucs comme ça. Et puis quand tu fais des flickas avec tes ennemis? Voilà frère, je comprends pas, moi je suis pas au courant, moi tout ça là, ces épisodes là, j'étais pas là. Ça va? C'est bien passé, monsieur? Ça a été, on va en chambre du coup. Vous l'avez extrait les balles et tout? Il avait une balle du coup dans la jambe gauche. Putain les bâtards, on s'est fait... T'as vu Andrew, comment c'est grave ces métiers de merde hein? Je comprends, mais comment t'as pu te faire agresser? Où est-ce que tu les as agressés? Ouais, ils nous ont agressés, ils nous ont dit ouais, ça c'est... en fait on a un message à faire passer au directeur de l'hôpital, et je sais pas quoi. Apparemment il est dans des embrouilles et c'est nous qui avons payé les pots cassés quoi. C'était des gens... comment ils se habillaient comment? Je sais pas, des gens masqués, un avec un tri militaire et tout. Et il a dit ouais, on a eu des problèmes avec le directeur de l'hôpital, comme on n'a pas réussi à le choper, et bah c'est vous qui allez payer les pots cassés. Wesh. Ouais, mais il va peut-être passer au, du coup à LSPD juste après. Bah oui, on va aller au LSPD. Hein. Au moins faire une déposition. Clairement. Tu penses que le directeur du LSHD, il est dans des affaires bizarres? Bah non, pas du tout. Non. Après, il a les cheveux longs, hein, donc... ça veut rien dire, ça. Bah, un peu, quand même. Ah non. Il est encore endormi, là? Ouais, encore un peu, je pense. Ouais, j'ai mis du coup 2 doses, parce qu'il s'est pas endormi au début. Ouais, non, mais lui, c'est un cheval. J'ai mis 2 doses. Ah ouais. Alors, du coup, Moulot de Kefta, interne de LSHD. Attends. Donc, il y a eu une balle de retirée. Quand même, il a beau téton. 2 points d'entrée et... 1 point sorti. Tu trouvais pas qu'il a pris des pecs quand même, Kefta, depuis quelques temps? Jambe gauche, du coup, au niveau du tibia, 2 points d'entrée, 1 point de sortie. Une balle est restée dans la jambe. Kefta, j'ai envie de te galocher. Hein. Oh, viens. Bonjour, messieurs. Ensuite, du coup, application de. Du coup, 2 points de. 3 points de suture par pied, donc au niveau de. Petit marque ça. T'as fait des tatouages, Andrew? Ça fait longtemps, ça fait super longtemps. Ça te va bien, ça fait guerre un peu. Et du coup, après, application d'un bandage du coup israélien au niveau de la jambe gauche. Enfin, bandage israélien? Ouais, exactement, c'est les bandages qui se rétractent. Ils sont très cool pour ça. Ok. Y'a pas des bandages palestiniens, Roya? Peut-être sur internet, bandage israélien, tu vas voir. Ah mais non, mais je te crois. Ah putain, Roya, il t'en met un bandage israélien, Roya. Et du coup c'est tout, voilà. J'ai pas une bonne nouvelle, Roya. Ne pas retirer le bandage avant 48 heures. Bizarre, j'ai mal là quand même. Puis voilà. Merci Andrew, en tout cas tu gères un très bon boulot. Ouais. J'espère qu'il a bien cicatrisé, Zahmar. Et merci monsieur aussi, c'est quoi votre nom? C'est Harry. Harry, t'es homosexuel? Non. Dommage. Ouais. Bon, pourquoi tu lui demandes ça? Tu peux me laisser avec mon petit copain, s'il te plaît, Harris? Ok, ouais, non, c'était parce que je dois lui faire la facture. Ah non, pas de facture, il a de la chance, c'est les LSHD. Mais bah juste l'ordonnance et tout. Bah t'inquiète, moi je suis médecin, Roya, je connais. Ok, ouais, bah du coup, ordonnance, antibiotique, anti-inflammatoire, anti-douleur. Ouais, la base, Roya. Parfait, ouais, voilà. Antiseptique, anti-moustique, anticonstitutionnel. Tout ce qui est anti... Oh, ça dit quoi? Il va bien. Roya, ils lui ont mis un bandage israélien. Voilà, je pense qu'il va encore plus avoir mal. Croya, c'est chaud. Allez, tu vas perdre ta jambe à Sarbe. Voilà, il va se taper la tête contre le mur et tout, laisse tomber. Mais lui, en bande, c'est pas palestinien, Sarbe, Khoya. T'es médecin ou t'es pas médecin? Je suis médecin, Khoya, mais. Vas-y, dis-moi au pire, j'ai les mémoires, Sarbe. Khoya, Adnan, il faut que je dise un truc. Dis-moi. Je suis homosexuel. Ouais, ça me choque pas, Sarbe. Sérieux? Ah ouais, t'es tout de rose à Sarbe. Ah putain! Mais c'est pour que tu guérisses, Khoya, plus rapidement! Ah, avec l'amour, Khoya, tu guéris! Vas-y, dégage, Khoya! Ah, Khoya, j'ai des moustiques qui arrivent! Ah, barrez-vous! Je vous déclare, mari et femme. Ah, bah, Khoya, pourquoi? C'est bon, Khoya, tu peux te lever, ouais, vas-y, lève-toi. Arrête ta couille. Tu vas rester 10 ans là ou quoi?